Hey, ça te chante? Le tube de l'année 1986. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? J'entends rien. C'est qui? Je t'ai parlé dans mon arcon! Oh, mais elle chante! Bah ouais, elle chuchote! Et comme un ouragan, le compositeur Romano Musumara, au départ, il l'avait écrite pour Jeanne Mas. En rouge et noir. Mais elle en a pas voulu. Elle a fait sa star. Elle a dit oh ouais, hein, je veux pas chanter ça. On va la confondre avec. Ah bon? Ouais, si tu veux. Oh là là. Du coup, le producteur Yves Rose, alias Jean-François Michael. Adieu, jolie Candy. Ouais, c'est lui. Il l'a proposé à Stéphanie de Monaco. Foutu pour foutu, ils ont enregistré en traître, en studio, et le jour de ses 21 ans, ils ont sorti le disque. Même son père, le prince Rainier, il était même pas au courant. Oh, ça a gueulé. Jean-François Michael, interdit de séjour à Monaco. Oh là là. Attends, comme un ouragan, c'est le premier titre à rester en tête des ventes du top 50 pendant moins 10 semaines. Vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Elle s'est bien défendue, la petite, hein. Et imagine si Jeanne Mas, elle avait accepté. Ah bah on n'aurait jamais connu. Je t'ai parlé dans mon argot.